Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vidéo et sur la chaîne pour les nouveaux. Aujourd'hui, je vais un peu expliquer le principe de ma chaîne. Parce que voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je crois que ça doit faire un ou deux mois. Et je me permets de faire cette vidéo-là parce que bah voilà, je suis en quête de nouvelles inventions et j'en ai eu pas mal. Entre ma chaîne Nifi où j'ai rajouté comme une espèce de barre de son qui fonctionne un peu bien, mais ça fait un peu mal aux oreilles, donc il faut que j'adapte un peu le son. Et la création que je viens de faire ce soir, tout à l'heure, c'est ceci. Donc c'est un casque Bluetooth, donc si vous vous rappelez bien du système Bluetooth, c'est évidemment celui-là de le JBL Go 2. Qui comporte justement ce casque là, donc ce casque AKG qui fonctionne d'ailleurs extrêmement bien. Donc je ne vais pas l'allumer pour parce qu'il risque de dérégler un peu le son de la vidéo. Donc voilà pourquoi je voulais vous dire aussi un autre truc. Alors, en plus, je suis très 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 mal coiffé pour cette vidéo en plus. Il va peut-être falloir que je fasse un truc un peu plus stylé parce que c'est n'importe quoi, les cheveux partent en bataille de couilles. Pardon. Écoutez, j'ai 23%. Vous allez venir avec moi parce que j'ai la flemme de faire tout ça. Donc, voilà. Alors, éventuellement, je voulais vous prévenir, la trottinette électrique, le pneu à l'avant est indémonflable. Enfin, je peux pas le remplacer. Je peux pas. Et pourtant, elle fonctionne. Regardez. Elle fonctionne. Pourtant, il y a tout qui fonctionne dessus. Regardez. Même quand j'appuie sur le frein, il clignote. Il y a tout qui fonctionne là-dessus. Le seul problème, c'est le pneu à l'avant. Parce que je peux pas rouler avec le pneu à l'avant. Donc, oui, c'est vrai, ça me fout les boules. Alors, attendez, on va aller dans mon coin parce que j'ai une surprise pour vous. Donc, si vous aviez réfléchi, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais allumé le fer à souder, donc, alors oui, j'ai oublié de vous prévenir, j'ai éclaté mon téléphone, enfin, il est tombé. Donc, du coup, dès que je mets à la lumière, ça fait un double reflet. Je suis terriblement désolé. Donc, la nouveauté, le fer à souder refonctionne de nouveau. Donc, voilà. Et un autre truc que je risque de choquer, c'est ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, vous devez savoir, c'est une vape. Qu'est-ce qu'une vape fait? Elle fume. Et oui, je fume. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Donc, voilà. Éventuellement, je vais bientôt recevoir mon iPhone 7, donc nouvel iPhone que je vous déballerai justement. Parce que cette fois-ci, je peux faire les choses à moitié parce que j'aurai une coque avec mon téléphone. Donc je ne vous dis pas comment déjà. Donc je vous dis juste la marque. Donc c'est Apple. Donc là, oui, c'est l'iPhone 7. Mais je ne vous dirai pas combien de gigas, quelle couleur et quelle est la couleur de la coque aussi. Du coup, ce qui va se passer, c'est que voilà, je vais peut-être avoir le mois prochain une nouvelle vape. Enfin, j'en sais rien, j'irai bien. Et puis, voilà. Et alors, éventuellement, j'aurai peut-être d'autres produits parce que les produits que j'en fais sont assez forts. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai fini un des deux produits. Et donc, celui-là. Donc, c'était fraise des bois. Donc voilà, c'est bizarre. Et j'ai en ce moment même menthe glaciale. Donc celui-là, il arrache bien, je peux vous le dire. C'est extrêmement fort. C'est pour ça que j'ai vidé la fiole. Enfin, pas totalement, hein. J'ai pas totalement tout vidé. Mais là, je vais attendre de pouvoir en fait j'attends de la finir entièrement pour pouvoir la nettoyer. Parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Faut se le dire. Donc voilà.
Voilà les amis, à peu près pour vous dire où j'en suis pour l'instant. Puis bah ça avance pas hein, parce que moi je sais pas quoi faire. En vrai, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est qu'est-ce que je peux faire en fait. C'est ça l'idée que je suis en train de me poser. Et j'arrive toujours pas à savoir ce que je veux faire justement, donc c'est ça le problème. Il faudrait que je puisse retrouver ma lentille que j'avais utilisée à un moment donné pour faire un projecteur. Donc, un projecteur que je vous avais justement pris en vidéo, justement, pour vous. Que j'ai mis en ligne d'ailleurs. Et du coup, bah, malheureusement, j'arrive pas à retrouver la lentille. Donc, je peux pas refaire un autre projecteur parce que j'aurais fait un autre projecteur. Mais avec lequel j'aurais pu voir mon écran, quoi. Donc, voilà. Donc si j'avais tellement la flemme de regarder le mur en face, bon après c'est vrai que ça aurait été avantageux de pouvoir regarder juste le mur d'en face, mais il faudrait que je retrouve une lentille ou je en achète une alors, hein. Ça va être bien compliqué tout ça. Il faut éventuellement, il faut savoir où la trouver. Et pour ça, j'ai pas d'idée. Moi, je vais pas reprendre les cours. Écoutez, moi, je vais plutôt partir en stage. Donc, moi, je retourne à Ménito. Parce que Ménito, c'est, j'aime bien, j'adore. À savoir que mon futur métier, c'est bon. Bon, je vais vous le dire franchement, normalement, c'est pas cuisinier, mais. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour ça. Mais je pourrais rentrer dans le domaine de la restauration à l'SNCF. Donc ça, c'est toujours possible. Ça, il y a toujours une possibilité. Donc ça, c'est génial. Bref. Alors, je vais mettre la vape de côté. Et voilà. Alors, quand je vous dis que j'ai les cheveux qui partent en couille, c'est. Un petit peu, faudrait que je me coiffe pour mes vidéos. Bref, on s'en fout un petit peu. Donc voilà. Le retour aussi du régulateur de vitesse, parce que j'ai réussi à remettre la main dessus. D'ailleurs, il est là. Donc, c'est plus génial de savoir qu'il est là. Et puis, ben voilà. Alors, j'ai récupéré aussi mes pièces, donc les pièces de Apple que je vous avais dit la dernière fois, enfin, que je vous avais aussi montré. Donc voilà, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est que Apple. Donc c'est que des. Tout ce qui est accessoire Apple, donc de l'iPhone 6. Donc caméra frontale avec tous les avec les capteurs et tout le bordel. Le capteur d'empreinte digitale. Et qui fait office de bouton home. J'ai. Qu'est-ce que je. J'ai le. La carte mère de l'iPhone 6. D'ailleurs, que j'ai mis, je crois, dans une autre boîte que la petite boîte. Ah oui. Et la prise jack avec l'entrée de prise Lightning. Donc, toutes ces pièces seront constituées dedans. Donc, voilà. Là, bah, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Ça a duré 9 minutes. C'est pas tellement long. Je commence à faire mes vidéos de plus en plus courtes. C'est plutôt génial. Et puis voilà. Bon bah écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau.
puisqu'il va y avoir de la bonne nouveauté. Sachez que lors du déballage de l'iPhone 7, je ferai aussi le démarrage, donc c'est-à-dire que je vous montrerai un peu les caractéristiques de ce téléphone. Donc ça va être génial. Donc même si je pense qu'il y en a qui savent comment il est, mais bon, moi aussi. Alors juste, parce que je vais vous donner un petit peu quelques détails, sur l'iPhone 7, il n'y a plus de prise jack, c'est-à-dire que il n'y a que deux sorties et la prise Lightning. La prise Lightning, ça a été remis sur la prise Lightning, mais il n'y a plus de prise jack. Donc, et par contre, quand vous allez ouvrir justement le téléphone, vous allez regarder au niveau des écouteurs et normalement vous avez un petit adaptateur qui va pouvoir permettre de brancher au Lightning, qui va pouvoir faire office de justement de prise jack, et vous pourrez brancher dès là votre ancien casque. Alors moi, hein, comme vous avez pu voir, l'ancien casque, j'ai reconverti en casque Bluetooth. Donc moi, j'aurais aucun mal à brancher quoi que ce soit. Également pour les écouteurs, donc d'ailleurs, les AirDots Pro sont toujours ici. Et ils sont toujours, pardon, fonctionnels. Voilà, ils fonctionnent encore. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai une tablette. Pour ça, il va falloir que je retrouve un clavier. Et mon fucking adaptateur. Ouais. Parce qu'elle est bloquée. Quand elle est bloquée, c'est bien chiant. Donc voilà, sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Puis voilà. Écoutez, on a fait le tour. Si vous vous demandez où sont les enceintes JBL, donc ils sont disposés un peu partout, vous inquiétez pas, de toute façon, elles fonctionnent encore. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'en sais rien. Pas tellement de choses à dire. Donc voilà. Je verrai si en fonction j'ai le temps de vous faire une vidéo par rapport au bricolage. Et puis si j'ai le temps, je vous en ferai une. Et puis voilà. Bon, je vous rassure, je serai mieux coiffé que ça parce que là, c'est n'importe quoi. J'avoue que là, j'ai pensé faire une vidéo vite fait, mais alors là, j'avoue, c'est horrible. Bref, sur ce, les amis, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à partager mes vidéos de la chaîne. Si ça peut augmenter au maximum les abonnés, ce serait génial. Et donc moi, pour moi, mon objectif, pour l'instant, je fixe pas haut. Je fixe vers les 30 abonnés, si c'est possible. Enfin, pour l'instant, je sais pas si ça va être possible. Ça serait déjà génial qu'on puisse atteindre au niveau des 30. Puisque pour moi, ça pourrait me permettre de faire beaucoup plus de vidéos. Notamment sur le jeu vidéo, donc je pourrais commencer justement à faire des vidéos sur les jeux vidéo, ça embaucherait certains. Du coup, sur lequel je pourrais jouer à Fortnite sur mon iPhone 7, voilà, tout simplement. Je verrai en fonction si je veux jouer ce jeu ou non, parce que c'est vrai que moi et ce jeu-là, ça fait un peu deux. On va dire que je pense pas regarder des vidéos dessus, mais. Je vais pas tarder, je crois, à m'y coller. Donc sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, comme je vous l'avais dit. Et puis voilà. Écoutez, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Si je ne fais pas d'autres vidéos, si elles sortent, je sais pas, moi par exemple à minuit ou ce genre de truc, c'est pas grave. Voilà. Donc on est actuellement, pour vous préciser, on est le 23 février, donc le dimanche. Il est 23h54 à l'heure actuelle. Donc voilà, vous voyez, hein, je vous mens pas, je vous dis l'heure et tout, et je vous dis la date. Alors, par contre, vous voyez, ça, j'en ai ras-le-bol. C'est genre le truc. Bon, c'est bon. Donc voilà les amis. Donc après, je vais pas faire tout le temps des déballages de tech. Après, c'est vrai que c'est con. Je pourrais peut-être en faire plus quand je toucherai, par exemple, des. Enfin, pas par exemple, quand j'y arriverai à toucher mes sous.
Sachez que bien l'année prochaine, tout va changer puisque je ne serai pas dans le même décor. Alors là, absolument pas. Donc je serai dans ma future, enfin dans mon futur petit studio parce que voilà, on sera plusieurs. Mais pendant la semaine, je serai tout seul. Donc voilà, ça va changer en fonction de ce qui va se passer. Donc voilà. Donc au CFA, je vais pouvoir faire des vidéos, mais pas tout le temps. Et puis bah autrement, bah, quand je serai à mon boulot, j'essaierai de me débrouiller pour faire des vidéos, donc justement ici. Donc oui, je vais avoir un emploi du temps plutôt bien chargé, donc ça m'étonnerait que j'arrive à vous faire des vidéos, donc voilà. Bon bah après, j'ai quand même envie de travailler, j'ai quand même envie d'avoir ma paye, donc c'est quand même important. Du coup, bah voilà les amis, on va se laisser là-dessus. Et puis, bah, si je ne fais pas de vidéo avant le déballage, bah, ça serait le déballage. Voilà. Sachez que je suis extrêmement impatient parce que là, on est dimanche, il nous reste 2 semaines. Et dans. Ouais. Ouais, donc il me reste cette semaine et la semaine prochaine. Ma mère commande la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc dans 2 semaines. Et. Il y a peut-être possibilité que je puisse la recevoir dans 3 semaines. Donc, normalement, dans 3 semaines, j'ai mon téléphone environ. Ça dépend si c'est assez rapide. Donc, voilà à peu près les habits. Et bah, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez à peu près. Mes réseaux pour pouvoir parler ou discuter avec moi. Puis écoutez, moi je vous dis au déballage alors. Donc voilà. Dans 3 semaines. Hein, donc à dans 3 semaines. Ou 2 avant, j'en sais rien. Et ben on verra bien, vous savez quoi. Je vous dirai. Et puis voilà. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête ce soir. En plus, je suis déjà fatigué comme ça. Je vois, ce n'est pas votre faute. Parce que mon traitement, en fait, j'ai pas pris. J'ai pris, c'est n'importe quoi, je deviens agressif comme jamais. Bref, voilà les amis. Donc, je vais arrêter de vous embêter plus longtemps. Parce que de toute façon, ça fait 17 minutes. Ça fait 17 minutes. Ça fait depuis, je sais, de 14 minutes. Non, 10 minutes. Depuis les 10 minutes, je n'arrête pas de vous baratiner avec je ne sais pas quoi. Je vous raconte de la merde en plus. Mais c'est pas grave. Donc, bon, bah, je vais vous laisser. Puis, bah, surtout, si vous regardez ça en soirée, bah, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, bah, pour les autres, une bonne journée. Voilà. Et puis, pour ceux qui regardent ça en soirée, bah, bonne soirée. Bah, bref, on s'en fout. Hein, voilà, c'est bon. Bref, bon, bah. N'oubliez pas de partager, c'est très important. Et bon, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.